Bonjour à tous et surtout, merci de nous suivre. On ne l'avait pas vu venir jusqu'à ce qu'il nous tombe dans l'escarcelle comme un obus dans ce monde de silence qui taraude les crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Holocauste au Congo, le nouvel ouvrage de Charles Onana a fait du bruit jusque dans le métro parisien. Les livres dont tout le monde parle, mais dont les médias mainstream font semblant de ne pas avoir vu. Holocauste au Congo ou l'omerta de la communauté internationale, les livres qui dérangent, que nous allons décrypter avec l'auteur Charles Onana. Et il ne sera pas seul aujourd'hui, il sera en compagnie d'un autre écrivain qui a presque le même pédigré que lui, celui dont, à côté de Charles Onana, les noms dérangent énormément à Kigali, celui qui est connu comme étant proche de Pierre Péan, le parrain de Charles Onana, j'ai cité Patrick Mbeko. Nous allons dire bonjour à Charles Onana. Oui, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur que de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce livre qui fait l'actualité et qui est déjà en rupture de stock. C'est sorti à peine depuis le 12 et c'est déjà en rupture de stock. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour Kevin. Merci de nous faire l'honneur d'être là. D'autant plus que c'est un peu particulier, hein. Il vient d'atterrir, il n'est même pas allé à l'hôtel, il est arrivé pour nous livrer ses notes de lecture, parce qu'il est une des premières personnes à avoir eu le privilège de lire les manuscrits, et moi j'ai eu la chance d'avoir lu les livres avant sa sortie, donc nous sommes sur le plateau de privilégiés. Alors, on n'a pas vu venir, apparemment vous avez cultivé les secrets jusqu'à ce que, bam, et ça tombe sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cet environnement où la périlleusité de ceux qui veulent que le monde ne puisse pas voir ce qui se passe au Congo qui fait que vous deveniez si prudent au point de ne pas faire du bruit lorsque vous travaillez? Merci. Je pense que j'avais accumulé pendant toutes ces années de nombreux témoignages, de nombreux documents, mais j'attendais le moment opportun pour pouvoir le faire. Et je crois que la reprise des combats avec le M23 n'a fait qu'accélérer mon travail. Et je pense effectivement que le livre est arrivé au moment où il devait arriver. Et dans ces livres, au-delà de tout ce qui a toujours été dit, on voit que vous mettez en exergue, hein, au-delà de la condamnation ou de la mise en exergue du rôle des États-Unis, là, vous placez la France au cœur de l'actualité, mais vous ne vous limitez pas là. Vous voulez démontrer que le pouvoir de Paul Kagame est non seulement nuisible au Congo, mais à d'autres pays de l'Afrique centrale. C'est une approche nouveau. Qu'est-ce qui explique cette approche? Alors, je pense que ce qui s'est passé au Congo dès 1994, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, les ONG, les chercheurs, ils disaient que le Congo était victime de dégâts collatéraux ou était victime de. C'était la conséquence du génocide rwandais. Moi, j'ai dit non. C'est un plan, ce que j'ai appelé une invasion masquée, qui a été minutieusement préparée entre 1994 et 1997, lorsqu'on a vu les troupes rwandaises accompagnées des troupes ougandaises et angolaises venir renverser le maréchal Mobutu. C'était un plan qui avait été organisé minutieusement en 1994. Et pour comprendre ce jeu-là, ce n'est pas au Zaïre qu'il fallait regarder. J'ai analysé la stratégie militaire qui a été utilisée par les troupes rwandaises qui venaient du nord du Rwanda, c'est-à-dire par l'Ouganda, comment elles ont pris les populations en tenaille en entrant vers l'est du Rwanda. Et ces troupes ont poussé toutes les populations, la majorité de la population rwandaise, vers le territoire congolais. Donc, il y avait deux entrées. Il y avait soit l'entrée par Goma, soit l'entrée par Bukavu. Et au milieu, il y avait le lac. Donc, les populations qui n'arrivaient pas à rentrer par Goma ou par Bukavu n'avaient qu'une issue, c'est d'aller mourir dans le lac Kivu. Et donc, c'est comme cela que j'ai compris que
cette stratégie militaire qui consistait à pousser les populations vers l'est du Congo répondait à des ambitions politiques, à des objectifs politiques, et c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer. Et nous reviendrons vers ces objectifs politiques dans pas très longtemps. Patrick Mbeko, vous êtes un lecteur privilégié de cet ouvrage. Vous connaissez, vous êtes enfin connaisseur de la région. Quelles sont vos premières impressions par rapport à cet ouvrage qui vient de sortir? Mais moi, je pense que, bon, d'abord, comme l'a dit Charles, l'ouvrage tombe à pic, à point nommé, au regard de l'actualité dans la région des Grands Lacs en général et au Congo en particulier. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un élément particulier qui a retenu mon attention, parce que le livre est quand même truffé d'éléments qu'il faut vraiment regarder. Moi, la chose que je retiens à la lecture de ce livre, c'est un appel à la responsabilité du côté des responsables politiques congolais. Parce que Charles présente quand même beaucoup d'éléments qui nous emmènent, qui doivent emmener les autorités congolaises à changer d'approche dans la gestion de la crise que connaît le pays, surtout au regard de la question du M23 et du Rwanda. C'est surtout ça. Parce qu'il y a tout un chapitre, par exemple, sur le rôle de Banyamulenge, sur cette histoire de l'empire Imatuti, qu'on a souvent présenté comme étant voilà, une théorie farfelue. Mais là, pour la première fois, on a des documents américains. On a des documents français. Et ce n'est pas n'importe quel document, ce n'est pas n'importe quel acteur. Donc moi, je pense qu'à la lecture de ce livre, en tout cas, d'abord, j'invite les autorités congolaises à s'offrir ce bouquin, à le lire, mais en fonction de ce qui a été décrit par Charles, que des décisions soient prises, qu'il y ait un changement dans l'approche qu'on a de la crise congolaise. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans par rapport à la crise. Et Charles vient de le dire, il y a la question de l'invasion du Zaïre, par les États-Unis, par le Rwanda, l'Ouganda, avec la complicité des États-Unis. Le rôle des ONG, par exemple, c'est un élément essentiel qu'il faut comprendre, parce que nous avons tendance à considérer ces organisations comme étant des organisations neutres dans la crise, alors qu'à la lecture du livre de Charles, on se rend bien compte que ces organisations ne sont pas neutres. Et par la suite, il y a aussi la question des Banyamulenge qui permet de comprendre la crise actuelle avec le M23 le Rwanda. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Et de mon point de vue, ce livre est aussi une façon d'interpeller, bien que je pense que Charles a fait son travail d'investigation, mais je pense qu'en tant que Congolais, je pense qu'il appartient aux Congolais de prendre leurs responsabilités au regard de ce que Charles nous offre dans son bouquin. Et à propos de l'actualité, Paul Kagame était au Bénin, là aujourd'hui pendant que l'émission se passe, il se trouve à Conakry, où il a déclaré que le problème avec le M23 date d'avant l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. C'est un problème des terres congolaises, des terres rwandaises qu'on a cédées au Congo. À tous les deux, quel commentaire ça vous inspire? Juste, si je suis je m'inscris dans la droite ligne de ce que je viens de dire, je pense que Kagame vient de confirmer, sans le réaliser, peut-être tout ce que Charles a dit dans son livre. En fait, les propos de Kagame résument très clairement ce que Charles explique dans son livre sur le complot auquel la RDC est confrontée depuis un bon moment. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de se dévoiler lui-même. Parce que quand on lit le livre et on écoute Kagame, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est comme s'il était ancien. Moi, je pense même qu'il est devenu, de mon point de vue, je veux ironiser un peu, mais j'ai eu l'impression que Kagame était devenu un peu le relationniste de Charles. Mon attaché de presse. Non, Patrick a raison. En fait, je ne m'attendais pas à un si beau cadeau. C'est-à-dire que la déclaration du président Kagame vient, au moment où le livre sort, mais confirmer tout ce que j'ai dit. Parce que j'explique très clairement que l'objectif de l'invasion du Congo, de l'occupation et des massacres qu'il y a à l'est du Congo, c'est tout simplement une volonté, un, de chasser les Congolais de leurs terres pour s'emparer de toute la partie est du Congo, mais c'est aussi la volonté de s'emparer du pouvoir à Kinshasa. Et donc, si les Congolais ne comprennent pas que non seulement on veut prendre leurs terres, mais ce n'est pas que leurs terres qui intéressent ceux qui veulent s'en emparer, mais c'est aussi de prendre le pouvoir, d'installer à Kinshasa quelqu'un qui va effectivement parachever ce plan d'occupation et ce que Patrick a commencé à évoquer en parlant de l'Empire.
de créer une espèce, un espace qui est contrôlé à la fois par l'Ouganda et par le Rwanda en RDC. Et si les Congolais ne comprennent pas que quand on a 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, mais c'est totalement inédit en Afrique. Vous prenez tous les conflits qu'il y a eu en Afrique depuis 50 ans, et bien vous ne verrez pas ce nombre de victimes-là. Et vous ne verrez pas ce profil de victimes-là. Et la deuxième chose qui est importante dans la déclaration de M. Kagame, c'est que au départ, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que c'était ce qui dérangeait à l'est du Congo, c'était les interahamwés, les génocidaires. Après, on nous a dit, non, ce n'est plus les génocidaires, c'est les droits des Banyamulenge. Bon, après, maintenant, on nous dit que ce n'est pas simplement les droits des Banyamulenge, mais c'est le fait que les FDLR menacent la sécurité du Rwanda. Après, ce n'est plus les FDLR qui menacent la sécurité du Rwanda, on revendique maintenant des terres. Mais qu'est-ce que les Congolais ont encore envie de savoir? Le schéma, il est très clair. Et je remercie le président Kagame d'avoir fait cette déclaration, effectivement, pour confirmer toute l'enquête que j'ai pu faire depuis plusieurs années sur cette histoire. Enquête que vous avez nommée Holocauste au Congo, ne craignez-vous pas que ces termes, ces titres puissent déranger parce que le génocide des Juifs a un caractère particulier qui fait que ces termes les réservent. Ce n'est pas un risque que vous avez pris que... Non, je pense que l'éditeur, au vu de ce que j'écris, moi, je n'ai pas écrit un livre, le titre n'a pas été pris en comparaison avec X ou Y, avec des groupes ou avec... Non, le titre a été pris en fonction de ce qui se passe au Congo, de ce que vivent les Congolais depuis maintenant près de 30 ans et de la réalité des massacres dont on ne montre pas. Pourquoi on ne filme pas les massacres qui se passent au Congo pour les montrer aux gens? Pourquoi depuis près de 30 ans, les Congolais vivent des viols et des massacres, on ne montre pas ce qui se passe? Si on est convaincu que ce n'est pas un holocauste qu'il y a au Congo, prière de montrer les images de ce qui se passe au Congo pour que les Congolais, mais aussi les non-Congolais puissent apprécier. Donc moi j'ai fait cet effort-là de produire un certain nombre de photos, mais j'ai encore... C'est des photos horribles, hein? Mais oui, mais c'est la réalité. Âme sensible, vraiment s'abstenir. Mais je peux vous assurer qu'avec l'éditeur, a pris le soin de ne pas faire diffuser des photos qui seraient susceptibles de heurter l'opinion. Donc on a encore des photos qui sont très très pénibles à regarder, mais qui sont la réalité de la vie quotidienne de beaucoup de Congolais sur leur territoire. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est choquant, c'est qu'en fait, les Congolais n'ont fait de mal à personne, les Congolais n'ont attaqué aucun voisin, les Congolais n'ont fait la guerre à personne, les Congolais sont chez eux, et c'est chez eux qu'on vient les exterminer, et c'est chez eux qu'on vient les violer, et c'est chez eux qu'on vient les massacrer. Alors, pour massacrer comme ils le font, hein, le régime de Paul Kagame, il faut en avoir la volonté, les moyens, être animé d'un esprit, je ne dirais pas bestial, parce que les animaux, des fois, se comportent un peu bien. Ah, mais parfois trop bien. Je me demande qui sont derrière, ou qui se trouve derrière Paul Kagame, au point que monsieur se sente tout puissant et qu'il puisse bénéficier d'une impunité aussi choquante que ce que nous vivons. Écoutez, je apporte des éléments de preuve pour expliquer comment le président Clinton, quand il est arrivé au pouvoir, comment ils ont organisé, planifié la chute du maréchal Mobutu. Il se trouve que Cynthia McKinney, qui était au Congrès américain pendant 12 ans, qui a été l'envoyée spéciale de Bill Clinton dans les Grands Lacs, c'est une amie. Donc j'ai eu la possibilité de... Elle m'a présenté ses archives à Atlanta, j'ai étudié, examiné, et moi-même j'ai fait des recherches au niveau de... J'ai pu accéder aux archives de la Maison Blanche, les archives de l'Élysée, les archives de l'Union Européenne, notamment le Conseil Européen, la cellule diplomatique qui fabrique en quelque sorte la diplomatie européenne, et j'ai rencontré énormément de témoins, y compris des témoins congolais occidentaux. Donc, il y a énormément de gens qui m'ont parlé pendant 20 ans. Donc, ce que je mets sur la table aujourd'hui, par rapport à la question que vous posez sur l'impunité,
c'est que le président Kagame, j'ai découvert que non seulement à la Maison-Blanche, il y avait Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui soutenait M. Kagame. Et il y avait Susan Rice, qui fait partie encore aujourd'hui de l'administration du président Joe Biden, qui est un des tout premiers soutiens de Paul Kagame. Hillary Clinton elle-même, donc, qui a soutenu Paul Kagame. Les Congolais se souviennent certainement qu'elle était allée au Congo dire qu'il fallait tourner la page de ce qui se passait. Donc les Congolais étaient en pleine tragédie. À l'époque, on parlait déjà de 6 millions de morts. Elle va dire qu'il faut tourner la page. Alors qu'on n'a jamais dit qu'il fallait tourner la page de ce qui s'est passé au Rwanda. Jusqu'à ce jour, on continue de persécuter les Rwandais partout où ils sont, au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, etc. On ne tourne pas la page, ça fait presque 30 ans. Mais les Congolais qui vivent ce drame qu'ils vivent aujourd'hui, on dit qu'il faut tourner la page. Et j'ai découvert également que monsieur Tony Blair, qui est l'ancien Premier ministre britannique, est devenu le conseiller, dit-il, bénévole de Paul Kagame. C'est la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne où on voit un ancien Premier ministre devenir le conseiller du président d'un tout petit pays africain enclavé sans ressources. Si c'était le conseiller du président du Congo, de la RDC, on allait comprendre que c'est un grand pays, c'est le plus grand pays francophone. Donc, si un ancien premier ministre britannique devient le conseiller d'un président congolais, on va comprendre. Mais devenir le président du Rwanda, mais un pays que peu de gens connaissaient en Afrique avant les événements de 1994, j'ai trouvé cela curieux. Monsieur Louis Michel qui soutient. Et puis, on a vu le président Sarkozy, qui allait même fêter son 66e anniversaire au Rwanda. Mais enfin, ça fait énormément de gens qui sont passionnés par le Rwanda, et j'ai essayé de comprendre quelle est cette passion qui a amené toutes ces personnalités internationales au Rwanda. Eh bien, j'ai compris que c'était le Congo qui était le sujet principal qui attirait les gens à Kigali. Et moi, j'aimerais ajouter une chose, c'est que, et c'est bien expliqué dans le livre, pendant les massacres de 96-97, Il y a des congressistes américains qui ont voulu voir clair dans ce qui s'est passé dans les forêts du Congo. Et Bill Clinton n'a jamais voulu donner de réponse. L'impunité a commencé depuis 96. Non, même avant, on pourra même dire que l'impunité a commencé au Rwanda. Dans le livre, on en parlait d'ailleurs avant de commencer l'émission, il y a une photo, là, le massacre de Kibeho, où on a massacré des hommes, des femmes et des enfants sans défense, à l'arme lourde, devant les casques bleus des Nations Unies. Et dans le livre, Charles explique aussi comment des congressistes américains ont demandé des comptes à Bill Clinton par rapport à tout ce qui se passait dans la région. Cynthia McKinney aussi a fait partie des gens qui ont demandé des comptes. Donc l'impunité a été instaurée pour des raisons géopolitiques qu'il est facile de comprendre quand on lit le livre. À partir du moment où on a fait de Kagame le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale, on lui a assuré une certaine impunité. Et cette impunité a commencé pas seulement dans le dossier du Congo, ça remonte dans le dossier du Rwanda. Au TPR, aucun membre du Front patriotique rwandais de Kagame n'a été poursuivi jusqu'à ce jour. D'abord, jusqu'à la fermeture du tribunal. Et aujourd'hui, on demande à avoir un tribunal pénal international pour le Congo. On traîne les pieds, le rapport Mapping est en train de dormir dans un tiroir des Nations Unies. Je rappelle tout simplement que dans le cas du Rwanda, il a fallu moins de 6 mois avant de mettre sur pied le tribunal pénal international pour le Rwanda. Moins de 6 mois après le génocide, on avait le TPR. Dans le cas du Congo, on a le Mapping Report, ça fait plus de 13 ans. Et je rappelle aussi que le Mapping Report est beaucoup plus documenté que tous les rapports qui ont été produits sur le génocide au Rwanda en 1994. Et pourtant, dans le cas du Rwanda, on a eu le TPR, mais dans le cas du Congo, on traîne les pieds. Pourquoi? Justement parce qu'il y a une certaine forme d'impunité qui vient d'en haut, parce que les tribunaux pénaux internationaux sont établis par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ce Conseil de sécurité, Kagame a des protecteurs, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi la France aujourd'hui. Oui, sur cet aspect, effectivement, j'ai eu les confidences de Maître Réti, par exemple, qui avait monté... Maître Réti Amoulien. Oui, qui était avocat, président de l'Association des avocats au Tribunal pénal international, qui se bat depuis plusieurs années pour la création d'une juridiction internationale pour le Congo. Et ils avaient rencontré le président François Hollande avec des éminentes intellectuelles et juristes françaises. Les marraines. Les marraines. Donc, le président Hollande leur a dit que, effectivement, le vrai problème, lui, il était motivé pour pouvoir
poussé à la préparation d'une résolution, à la proposition d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour créer un tribunal pénal international, ben, il se trouve qu'il leur a dit très clairement que le vrai problème, c'est d'avoir, on va se heurter au veto des États-Unis. Et par rapport à ce veto-là, personne n'avait de solution. Et j'apporte encore d'autres éléments qui expliquent, parce que j'ai eu des confidences de beaucoup de personnes qui m'ont expliqué pourquoi la question de la création d'un tribunal pour le Congo est très difficile à avoir. Ce n'est pas une question de nombre de victimes, parce que le Congo a plus de 10 millions de victimes. C'est, en fait, il faut que les gens comprennent. Quand on parle de 10 millions de victimes aujourd'hui au Congo, c'est l'équivalent de la population du Danemark. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez pris un pays comme le Danemark, on l'a rayé ce pays de la carte, il n'y a plus de population. La Belgique et la Suisse aussi. Hein. La Belgique, c'est à peu près 10 millions. La Suisse, c'est, je crois, 8 à 9 millions. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, on essaye de faire comprendre aux Africains aujourd'hui que exterminer 10 millions de personnes dans leur pays, des gens qui n'ont absolument rien fait, c'est tout à fait normal. Et par rapport à cela, on n'a pas le droit de créer un tribunal pénal international. Mais donc, vous comprenez que dans cette affaire avec le Congo, les enjeux qui permettent d'accepter cela et de soutenir quelqu'un comme Kagame n'ont absolument rien à voir avec les droits de l'homme. Ce n'est pas pour les droits de l'homme qu'ils s'intéressent à... Ils ont créé un tribunal pénal international pour le Rwanda. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est qu'il y avait des objectifs très clairs que j'explique en détail pour ceux qui ont vraiment envie d'aller en profondeur. Et à propos de l'impunité dont on parle, si Kagame bénéficie d'une certaine impunité, vous qui dénoncez Kagame, beaucoup de gens vous tombent dessus à bras raccourcis, décidés à vous punir de votre témérité, d'écrire des livres. Vous avez même un procès en vue contre la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous reproche et pourquoi en ont-ils derrière vous au point de jurer de vous sanctionner. Ben, écoutez, moi je remercie déjà les Congolais, les Rwandais, tous les Africains qui sont en train de se mobiliser autour de cette affaire qui est complètement étrange. Je n'ai jamais giflé quelqu'un au Congo, je n'ai même pas parlé de façon déplacée à quelqu'un au Rwanda, mais j'écris simplement des livres pour expliquer de façon scientifique ce qui s'est passé dans cette région. Il se trouve que les organisations qui sont supposées défendre les droits de l'homme ont décidé de ne pas poursuivre ceux qui commettent des crimes au Rwanda ou au Congo, mais de poursuivre celui qui les dénonce. Donc il est clair pour moi, j'ai perdu la naïveté que j'avais quand j'avais 12 ans, où je considérais toutes les organisations des droits de l'homme comme des organisations qui font du bien, etc. Je constate simplement, et la question que je me pose, c'est quel est leur intérêt à agir ? Je constate que ces gens-là, quand on dit 10 millions de morts au Congo, ces gens n'ont jamais déposé une plainte contre les gens qui massacrent les populations civiles au Congo. Le docteur Mukwege travaille sur le viol des femmes depuis de très nombreuses années. On n'a pas vu ces gens-là déposer une plainte contre les gens qui violent massivement les femmes congolaises. Est-ce que les femmes congolaises ont le droit d'être violées de cette façon-là, de façon barbare, comme avec tout ce qu'on voit? Enfin, je n'ose même pas parler, parce que si les gens voyaient les images des femmes congolaises, mais j'ai vu les photos des examens que faisait le docteur Mukwege par rapport aux femmes violées au Congo, mais quand vous regardez les images, mais vous ne pouvez pas supporter. Moi, je ne sais pas comment ce médecin-là fait pour arriver à soigner les femmes qui lui arrivent dans cet état-là. Donc, quand on a le label, l'effigie de l'association qui défend les droits de l'homme et qu'on ne défend pas le peuple congolais, ben écoutez, moi je suis d'accord, j'accepte que moi on m'attaque et qu'on me poursuive, eh bien j'apporterai tout ce que je peux pour je ne me laisserai pas impressionner, hein. Ça, il faut que ces associations-là le sachent, que je ne me laisserai pas impressionner, je me défendrai et je me défendrai vigoureusement pour démontrer que ce que j'ai essayé de faire, ce que je fais jusqu'à présent, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans la région. Aucun conflit d'intérêt. Ni avec le régime à Kinshasa, ni avec les Rwandais, ni avec personne. Je fais un travail de quelqu'un qui arrive, qui pense que eh bien, ce qui est en train de se faire, d'être fait aux Congolais est inacceptable. Alors s'ils décident de m'attaquer pour cela, parce que peut-être qu'ils ont, eux, des conflits d'intérêt, ce qui est le cas, par exemple, de l'association de survie,
J'ai constaté que le président fondateur de Survie s'était retrouvé à avoir une voiture de fonction au Rwanda juste après la prise du pouvoir du FPR. Je donne un peu les détails dans le livre. Ben écoutez, moi j'ai jamais eu de voiture de fonction nulle part parce que j'avais écrit sur un pays. Donc chacun peut voir effectivement où sont les intérêts des uns et des autres quand ils parlent de défense des droits de l'homme. Et en parlant de ce chapitre, je vois que vous citez Patrick Mbeko. Je crois vers les pages 300-336 par là. On vous cite. Ben qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un ouvrage à sortir, c'est quoi? Parce que apparemment, vous avez beaucoup d'éléments là-dessus. On vous cite, mais on n'a pas tout dit. Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que Charles a simplement cité une personne, justement, quelqu'un qui a occupé une fonction très importante au sein d'une ONG importante de droits de l'homme. Et moi, j'avais interviewé cette personne-là, je lui ai demandé, mais voilà, vous produisez des rapports, mais comment ça se passe? Au niveau de la rigueur scientifique, comment ça se passe? Et cette personne-là, moi j'encourage les gens, parce que je ne veux pas tout dire ici, il faut lire le livre, mais la personne avait clairement dit que leur rôle n'était pas de produire des rapports d'un niveau scientifique élevé. C'est très clair. Et donc, c'est important de comprendre ça. Donc, quand Charles est poursuivi, mais je peux te tutoyer, on se connaît, Kerwin, mais à l'université de Rennes, quand je devais donner une conférence là-bas, on a eu un problème avec des ONG. Et c'était des gens qui étaient liés aussi à Survie. Tu te rappelles, il y a encore quelques années de cela. C'est-à-dire que vous avez dans le dossier du Rwandais des Grands Lacs de manière générale, des gens qui se sont érigés en protecteurs. Moi, j'appelle, ils se disent, en fait, ils ont le monopole de la vérité historique sur les événements dans la région. Et ces gens-là ont participé à la construction du narratif officiel sur le génocide et tout ce qui s'est passé par la suite au Congo. Parce que quand vous lisez dans le livre de Charles, par exemple, vous voyez que dès qu'on attaque le Congo, ces gens-là, tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est défendre d'abord les Banyamulenge. Personne ne va s'intéresser à la situation des populations congolaises qui sont massacrées à ce moment-là par les troupes rwandaises. Donc pour revenir à ce que tu as dit, oui, j'ai interviewé quelqu'un, un membre d'une ONG qui, de mon point de vue, a donné une réponse qui donne une idée de comment travaille, comment fonctionnent les ONG internationales. C'est ça qui est important, monsieur Gillet. Et je rappelle que ce monsieur a travaillé pour la FIDH. Ils ont travaillé dans beaucoup de procès, et d'ailleurs Charles le relève aussi rapidement dans le livre, dans les procès impliquant des Hutus à travers le monde, en tout cas surtout en Europe. Des gens qui sont poursuivis pour génocide et tout ça. Mais dans le cas du Congo, on ne voit personne. Tous ces gens-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas du tout. Donc, ça interroge beaucoup sur le rôle des ONG. Et moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier le travail de ces ONG-là du travail mené par le FPR pour conditionner les cœurs et les esprits dans le dossier des Grands Lacs, et particulièrement dans celui du Congo, où on occulte tout ce qui se passe là-bas au nom de la préservation de la mémoire relative au génocide rwandais. Génocide rwandais qui sera enseigné dans les écoles françaises. Qu'est-ce qui justifie ou qui explique plutôt que la France, parce que je vois dans le titre la France complice, c'est un point d'interrogation, qu'est-ce qui explique cette attitude de la France, un pays qui s'est pratiquement mis à genoux devant Paul Kagame depuis l'époque de Sarkozy jusqu'à maintenant, au point de donner l'Organisation internationale de la francophonie à une anglophone, Madame Louise Moushikiwa? Écoutez, c'est une question qui mérite d'être posée aux autorités françaises. Mais j'ai simplement constaté que la France a préféré aller construire son centre de gravité dans un pays anglophone, alors que le Congo, la République démocratique du Congo, est le plus grand, le plus vaste pays francophone de l'Afrique francophone, en fait. C'est-à-dire vaste en termes d'espace territorial, mais vaste aussi en termes de population. Donc, quand vous allez construire votre centre de gravité au Rwanda, un pays qui n'a eu de cesse d'insulter les Français, de les accuser, de les maltraiter, de dire tout le mal qu'ils ont toujours pensé de la France, encore que les accusations portées contre la France sont très discutables. Moi, j'ai essayé d'ailleurs de démontrer... sans parti pris, hein, que les accusations qui étaient portées contre les Français manquaient de preuves. Parce que quand vous regardez ce qu'a été la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, c'est-à-dire qu'avant les événements, mais on ne peut pas
comprendre pourquoi les Français eux-mêmes ne se défendent pas. Quand vous voyez les documents d'archives qui sont produits, je rappelle quand même que le FPR lui-même, en 1993, a écrit une lettre à François Mitterrand pour le remercier d'avoir facilité les discussions entre le FPR de Kagame et le régime du président Habyarimana. La lettre est signée. Et cette lettre-là, quand vous vous demandez, vous ne verrez jamais les gens vous la produire. Hein. Donc, alors que en produisant cette lettre-là, vous ne pouvez pas remercier des gens qui ont envie de, qui ont préparé une extermination ou qui ont voulu vous faire du mal. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Français s'attaquent à leur propre pays. D'ailleurs, pour bien expliquer là, le point de votre histoire de point d'interrogation, en 1994, lorsque le président Sarkozy, actuel président, le président Sarkozy était porte-parole du gouvernement Balladur, je me souviens très bien qu'il a défendu la politique de la France dans cette région en disant qu'en 1994, l'opération Turquoise s'est très bien comportée. Mais entre le moment où le président Sarkozy est devenu président en 2007 jusqu'au moment où il a quitté le pouvoir et même après, il n'a cessé de critiquer la France et de dire que la France a commis les fautes. Mais moi, j'attendais de voir qu'il énumère les fautes, le nombre de fautes, le type de fautes que la France a pu commettre au Rwanda. Je ne les vois pas. Et donc, on est obligé de se demander, mais au lieu de cela, il va fêter ses 66 ans au Rwanda. C'est une très bonne chose. Le Rwanda est un beau pays, on peut aller en villégiature là-bas, mais il y a trois Français qui ont été tués en 1994 au Rwanda dans l'avion, l'attentat contre l'avion présidentiel. Il y a deux gendarmes français qui ont été tués, leurs femmes et les Rwandais. Enfin, les hommes de Kagame ont même tué leurs chiens. Bon, alors, vous ne demandez pas de compte aux gens qui massacrent ou qui tuent, qui assassinent des citoyens français, mais vous allez défendre les victimes rwandaises. Moi, j'ai quand même un peu de mal, vraiment, j'ai objectivement un peu de mal à imaginer que le président Sarkozy est plus attaché aux Rwandais, fut-il Tutsi, que des Français. Enfin, c'est quand même les Français qui l'ont élu. Et il a été chef des armées dans ce pays-là. Donc, vous ne pouvez pas être chef des armées. On porte des accusations gravissimes contre des militaires français et vous ne dites rien, vous allez défendre des... C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit un chef d'État français se comporter de cette façon-là. Donc moi j'ai du mal, quand on sait ce qui a été fait en Libye, quand on sait ce qui a été fait en Côte d'Ivoire au moment où le monsieur Sarkozy était au pouvoir, j'ai du mal à penser qu'il aime beaucoup plus les Africains ou les Rwandais que les Français. Donc ça, il n'arriverait pas à me convaincre là-dessus. Donc je pense simplement que ce que vous voyez dans le livre, quand je pose la réponse est peut-être dans la question. Pourquoi certains dirigeants français ont cette attitude-là vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de Kigali? Ça, c'est à eux de répondre. Certains dirigeants français, dont Bernard Kouchner et l'actuel président Emmanuel Macron. Oui, Bernard Kouchner a été quand même, c'est l'un des artisans du rapprochement entre la France et le Rwanda à partir... C'est 2008, hein, à partir de 2008. C'est Kouchner qui pilote tout ça. Il faut rappeler que Kouchner c'est un ami de Kagame, hein, de très longue date, Bernard Kouchner. Et quand Sarkozy arrive au pouvoir, Kouchner est son ministre des Affaires étrangères. C'est important de le dire. Et il faut aussi rappeler que le Rwanda, hein, Kagame avait soutenu la candidature de Kouchner à l'EMS à un moment donné. C'est-à-dire que il y a un peu ce que certains appellent la France-Afrique version à la sauce rwandaise, si on veut. C'est à ça qu'on a assisté sur Kouchner. Et ça permet aussi de comprendre tout ce qui se passe par rapport à ta question. Pourquoi on enseigne ça? On n'enseigne pas ça pour instruire les enfants français. C'est très politique, tout ça. Quand vous regardez le mandat qui avait été confié à l'historien Duclerc pour étudier le rôle de la France au Rwanda, dans son mandat, on voyait déjà... la chose se dessinait aujourd'hui, tout ce qu'on observe aujourd'hui par rapport à l'enseignement du génocide aux élèves français. Qu'on enseigne le génocide ne pose pas problème. C'est l'approche de cet enseignement qui pose problème. Est-ce qu'on va enseigner la version du FPR, la version qui a été construite à l'ombre de la victoire militaire du FPR, ou la vraie histoire du génocide telle que relatée par Charles, par Pierre Payan, par moi-même ou par toutes les personnes qui ont étudié la question?
C'est ça aussi. Moi, je ne dis pas que non, la vérité, la science infuse, ce n'est pas vrai. Je pense qu'un travail de documentation, si on doit enseigner à des élèves, à des étudiants, il faut partir des bonnes prémices. Et dans le cas du Rwanda, ce n'est pas le cas. Il y a un côté politique qui est très important. On a eu Sarkozy, comme l'expliquait Charles. À l'époque de François Hollande, il y avait un flottement. Et puis avec Emmanuel Macron, mais voilà, Emmanuel Macron est revenu en force, s'est rapproché de Kigali. Pourquoi? Parce qu'il a été conseillé par Sarkozy, mais aussi, d'après ce que je sais, par les Michel. Et Charles a parlé de Louis Michel tantôt. Louis Michel qui avait créé un groupe d'amitié au sein du Parlement européen pour soutenir le Rwanda. Louis Michel le Belge. Louis Michel le Belge. Papa de l'actuel. Exactement, et son fils. De l'ancien Premier ministre. Exactement. En 2010, c'est un moment où exactement. Il y a le rapport Mapping. Exactement. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une association, un groupe d'amitié là, pour soutenir le Rwanda. Et donc, vous avez ces gens-là qui ont gravité autour de Macron et qui ont poussé Macron à se rapprocher de Kigali au détriment des intérêts français, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes politiques français qui ont fustigé cela. Louise Mushikiwabo se retrouve à la tête de la francophonie, pourquoi? Pour les mêmes raisons. Mais en toile de fond, il est important de le dire, il y a le Congo. Quand vous lisez les notes à l'époque de Sarkozy, déjà, on vous dit que la France veut se réconcilier avec le Rwanda parce que la France, il ne faut pas oublier, après le génocide, a été chassée de la région des Grands Lacs. En tout cas, la France est sortie par la petite porte et elle voulait revenir dans la région. Et ça, c'est très bien expliqué. Certains journalistes en ont parlé. Donc, ça veut dire qu'en toile de fond, il y a toujours le Congo. Aujourd'hui, il est impossible de faire main basse sur le Congo si on ne passe pas par le Rwanda, qui joue le rôle de sous-traitant, comme on l'a dit ici. Est-ce que Emmanuel Macron joue le même, veut jouer le jeu? Je pense que oui, parce qu'on a beaucoup, je crois que c'était, bon, je ne veux pas citer le nom du journal, mais on a beaucoup parlé d'intérêts géopolitiques et stratégiques dans la région des Grands Lacs. Et ces intérêts-là ne se trouvent pas au Rwanda, ils se trouvent en RDC. Et on connaît le rôle que joue Kagame en RDC, justement, pour la préservation de ces intérêts-là, pour des groupes privés, occidentaux. Et vous deux, lorsque vous parlez, ici ou ailleurs, généralement vous parlez du génocide rwandais, tandis que tous les autres médias parlent du génocide des Tutsis. Y a-t-il... Mais il faut rappeler d'abord... Êtes-vous des négationnistes? Non, ce n'est pas une question de négationniste, c'est l'ONU qui l'a dit. L'expression génocide des Tutsis est rentrée dans la... a été acceptée à partir de 2015 ou 2016. C'est Kagame qui l'a demandé. Avant, les Nations Unies parlaient de génocide survenu au Rwanda, génocide rwandais. Un génocide qui avait touché les Tutsis et ceux qu'on appelait les Hutus modérés. Tout d'un coup, on a chassé les Hutus modérés de l'historiographie officielle, si l'on veut, pour ne maintenir que le génocide des Tutsis. Mais le débat n'est pas là, en fait. Au Rwanda, il y a eu des massacres qui ont touché tous les Rwandais, qu'on soit Tutsis, Hutus ou toi, parce qu'on ne parle pas souvent des toi. Donc moi, je dis simplement, j'utilise la terminologie qui a été utilisée par les Nations Unies pendant longtemps. Et je rappelle aussi, c'est très important de le dire, lorsque Kagame a demandé à ce que l'expression génocide rwandais soit changée pour génocide des Tutsis, les Américains et les Britanniques s'y sont opposés. Et ça, c'était en avril 2020. Il y a eu des discussions à l'ONU et les Américains et les Britanniques, qui sont les parrains du FPR, donc de Kagame, ont rappelé qu'au Rwanda, il y a eu des massacres qui ont touché aussi bien les Tutsis que les Hutus et les Twa. Ce n'est pas Patrick Mbeko ni Charles Onana, ce sont des faits. Et ce sont les Américains et les Britanniques qui l'ont dit. Des massacres qui ont touché les Rwandais, les Congolais. Et dans les livres, vous avez démontré que les FPR se déploient un peu partout, notamment en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville. Et là, on est en train de les constater, même si je ne l'ai pas vu ici, au Bénin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en République centrafricaine ou au Congo-Brazzaville? Alors, je pense que la situation de la République centrafricaine est très claire. Bon, j'ai eu l'avantage de travailler beaucoup sur la République centrafricaine, parce que je suis détenteur des archives de l'empereur Bokassa depuis une trentaine d'années. Donc, je connais très bien ce qui se passe en République centrafricaine. Donc, j'avais attiré l'attention de certains centrafricains, que ce soit des intellectuels ou certains responsables politiques, en leur disant de s'intéresser à ce qui se passait au Congo RDC et que leur pays était un peu dans le collimateur. Pourquoi? La République centrafricaine est un pays tout aussi enclavé, mais qui a un avantage énorme, c'est celui d'avoir de l'uranium, du diamant, de l'or, et ils ont beaucoup, beaucoup de minerais.
Et le FPR est en quelque sorte, Kagame est un chasseur de minerais. Et si on, la preuve, c'est qu'il est maintenant en train aussi d'aller chasser des minerais en Guinée, la Guinée de Sékou-Touré, hein. Et les Centrafricains n'avaient pas fait très attention à ça. Je pense que, compte tenu des problèmes internes et qui minent un peu le pays depuis de longues années, ils ont pensé que c'était un élément secondaire. Mais depuis quelques années maintenant, on se rend compte que non seulement les troupes de Kagame sont arrivées par le canal de la force africaine d'interposition, soi-disant, et puis validé ensuite par les Nations Unies. Et surtout, ils se sont retrouvés dans une situation où le Rwanda participe au financement de la mission de paix. Bon, vous voyez quel est le budget national du Rwanda quand vous lisez les rapports des experts des Nations Unies qui vous disent très clairement que l'armée rwandaise, une grande partie de l'armée rwandaise et même du budget de l'État rwandais, les projets qui sont faits au Rwanda sont financés par la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le pillage et le vol des minerais à la République démocratique du Congo, c'est ça qui finance une partie de l'armée rwandaise et effectivement de ses projets intérieurs. Vous comprendrez que c'est aussi probablement la République démocratique du Congo qui participe aux actions, enfin involontairement, hein, contre son gré. Quel est le budget que le Rwanda a pour participer? Mais vous voyez que ce soit la République démocratique du Congo ou d'autres pays un peu plus influents, il est très difficile d'avoir les moyens financiers pour financer et soutenir une mission de la paix en Afrique. C'est très compliqué. Donc, comment un petit Rwanda qui n'a pas de ressources, qui n'a absolument rien, qui a du thé et je sais pas grand-chose, peut se retrouver en capacité de financer une mission de la paix en République centrafricaine? Et donc, tout ce jeu-là qui est fait autour de la République centrafricaine, c'est aussi autour des minerais. Et parce que c'est le voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Donc, quand vous êtes installé en République centrafricaine, vous pouvez parfaitement prendre le Congo en tenaille parce que vous avez déjà des gens à l'intérieur du territoire congolais qui travaillent pour Kagame. Et quand vous en avez également, quand vous avez des troupes rwandaises qui sont à l'extérieur du territoire congolais pour travailler contre la République démocratique du Congo, vous avez ce que Hitler appelait dans les années 40 le plan Tenaille. Et le plan Tena, c'est un terme militaire qui permet enfin, qui permet aux gens de comprendre ce que ça signifie prendre un pays en tenaille. Et ça, il est important que les Centrafricains comprennent que non seulement on va utiliser leur territoire pour aller contre les intérêts du Congo, mais qu'en plus de cela, on va utiliser leur territoire au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on va le dépouiller comme exactement on est en train de dépouiller la République démocratique du Congo. C'est une question d'enjeu économique et géopolitique. Il faut comprendre cela. Et le plan Tenaille, les troupes rwandaises se trouvent au Congo-Brazzaville. Nous, on pensait que, bon, ils sont arrivés là, il n'y a pas longtemps, avec le président Denis Sassou-Nguesso. Et là-dedans, on se rend compte que c'est depuis l'époque de Lissouba. Ben oui, du président Lissouba, en fait. mais bien sûr, bien entendu, parce que lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, la préoccupation de Pascal Lissouba était de demander de l'aide militaire face à Sassou Nguesso, demander de l'aide militaire. Et le président Laurent Désiré Kabila avait conseillé à Pascal Lissouba d'aller voir le Rwanda, parce que c'était le Rwanda qui avait servi de base arrière à l'invasion du Congo et à la mise au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Donc, quand le président Jacques Chirac a appris cela, parce que le voyage de Lissouba semblait être un voyage confidentiel, secret, mais finalement ça a été connu par les services de renseignement français qui ont informé le président Jacques Chirac a téléphoné au président angolais en lui demandant d'appuyer militairement le président Sassou Nguesso pour renverser Lissouba. Et lorsque Lissouba est rentré de voyage de Kigali, eh bien, il a été renversé. Et donc, les Rwandais avaient déjà joué, donc, en position. Enfin, ils ont joué leur démarche de conquête du Congo-Brazzaville
au moment où Lissouba était là. Et une fois que Lissouba est parti, ils ont repris pied au Congo-Brazzaville, toujours pour les mêmes objectifs. Il faut que les Congolais de Brazzaville comprennent que leur pays est un pays riche, c'est un pays pétrolier. Donc le Rwanda, qui est un petit pays pauvre, ne va pas venir au Congo-Brazzaville parce qu'il faut faire la coopération sud-sud. J'entends certains pseudo-panafricains vous dire oui, c'est la coopération sud-sud. Mais écoutez, le Rwanda, il faut regarder comment ils traitent les Hutus dans leur pays. Vous imaginez ce qu'ils font en République démocratique du Congo que j'explique dans le livre. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire des centres africains et des Congolais de Brazzaville. Donc, même des Sud-Soudanais, parce qu'ils sont aussi au Sud-Soudan. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas dans une affaire de famille, une affaire d'amitié, de frères africains. C'est une affaire d'argent, de ressources économiques et minières, et c'est ça qui intéresse ces gens-là. Et ils veulent prendre l'Afrique centrale. C'est un projet. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'en parle. Moi, j'ai découvert des documents qui sont des documents de l'Élysée, et qui sont les documents de la Maison Blanche. C'est l'ambassade des États-Unis au Rwanda en 1994 qui raconte que bon, ils ont des ambitions. Donc moi j'ai découvert ça. Et en plus, l'ancien ministre de la coopération, le professeur Bernard Debray, m'avait expliqué cela dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris, il y a plusieurs années de ça. Mais je n'avais pas pris ça au sérieux parce que je trouvais que c'était énorme ce qu'il était en train de me raconter. Mais quand il a publié son livre Le retour du Mwami, et où il expliquait cet aspect des choses plus en détail, mais j'ai quand même compris que c'était sérieux. Mais ce n'est pas ça qui m'a convaincu. Honoré Nguanda me l'avait expliqué, un opposant ougandais me l'a expliqué. Il y a beaucoup de gens qui m'ont expliqué ça. Jusqu'à ce que je découvre les documents de l'Élysée et de la Maison Blanche, que j'ai compris donc qu'en fait, ce projet de s'emparer de l'Afrique centrale, de ses ressources et de dominer politiquement, eh bien, ce n'était pas une vue de l'esprit. C'est les plus hautes autorités françaises et les hautes autorités américaines sont au courant de cela. Et donc, moi, j'ai essayé très modestement de rendre cela public pour que les Africains en Afrique centrale ne restent pas muets, aveugles, et qu'ils comprennent le jeu qui se joue dans leur pays et à travers leur population. Et ces autorités américaines qui utilisent certains acteurs congolais et certains acteurs rwandais qui se sont muets en congolais, que vous avez appelé Banyamulenge, et vous en avez cité quelques-uns, Rouberoi, Nkunda Batware, et là, même si c'est des faits apparemment connus, mais là, vous apportez des éléments factuels et qui prouvent qu'il y a eu une manipulation sur l'identité et qui devrait choquer. Alors, j'étais abasourdi quand j'ai lu, suis tombé sur un rapport spécial qui avait été fait par la MONUC, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui nous explique que, en fait, Nkunda Batware, Laurent Nkunda, n'est pas congolais. Il n'est pas Banyamulenge, il est rwandais. Mais je ne comprenais pas et ils ont donné beaucoup de détails que je rapporte dans le livre. Et je constate que lorsque Laurent Nkunda est parti, il a quitté le Congo, il s'est retrouvé au Rwanda. Comment ça, il était Banyamulenge ou bien il est rwandais? Et je découvre également que, en fait, un rapport de renseignement des officiers de l'Union européenne dit que Laurent Nkunda n'a jamais voulu être intégré dans l'armée congolaise. Alors qu'en fait, il a été nommé par le président Joseph Kabila. Général dans général. L'armée congolaise. Bon, en fait, il a été nommé général, mais c'est quelqu'un qui était sergent dans l'armée, dans l'armée rwandaise. Et donc, sergent au Rwanda, général au Congo, quoi. Oui. Et alors, je découvre d'autres documents, parce que j'ai quand même eu énormément d'informations. Je découvre que cette information était connue par l'actuel ministre de la Défense du Congo, M. Jean-Pierre Bemba, qui avait tenté en vain de convaincre le sous-secrétaire d'État américain en lui disant que non, mais M. Nkunda n'est pas congolais. Je le connais depuis longtemps quand je l'ai rencontré à Kisangani et dont je rapporte, effectivement, j'ai eu d'autres détails effectivement sur ça, mais j'ai rapporté également cet aspect des choses. Mais plus important, c'est le cas d'Azarias Rouberoi. Bon, voilà quelqu'un qui a été vice-président de la République démocratique du Congo, chargé de la sécurité du Congo. Et je découvre que le diplôme d'État, qui est l'équivalent pour les Aïrois à l'époque, qui était le baccalauréat, dit qu'il est né à Rugezi, au Rwanda. C'est un territoire nord du Rwanda. Bon,
Dans le livre que Azarias Rouberoy lui-même écrit de sa main, il dit qu'il est né à Minembwe. Bon, et je découvre que le certificat d'aptitude physique qui est le sien fait au Zaïre, la même année où le diplôme dit qu'il est né à Rugezi, ce certificat d'aptitude dit qu'il est né à Itombwe. Donc, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est né le même jour, à trois endroits et dans deux pays différents. Donc, il est important que les autorités congolaises demandent à M. Azarias Rouberoy là où il est né. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est en mesure de mentir sur son lieu de naissance, on peut se poser des questions sur ce qu'il fait quand il est à la tête des institutions de la République démocratique du Congo. D'autant plus que j'ai encore eu d'autres documents le concernant. C'est le fait, par exemple, qu'au moment où Laurent Kunda et Mouté Bouizi déclenchent la guerre à l'est du Congo en 2004, il est chargé de la sécurité de la République démocratique du Congo. Et à aucun moment, ces gens ne sont arrêtés. À aucun moment, ces gens ne sont mis, ne sont poursuivis, où il n'y a pas de prise de position forte du vice-président de la République démocratique du Congo et chargé des questions de sécurité, de mettre ces gens-là en difficulté. Et c'est à la même période où vous avez le représentant spécial de l'Union européenne, M. Ado Aiello, qui dit que, eh bien, ces gens sont considérés, peuvent être considérés comme des criminels de guerre. Donc, vous avez des rapports de l'Union européenne qui disent que ces gens sont extrêmement dangereux pour la sécurité du Congo. Et vous avez Azarias Rouberoy, vice-président de la République démocratique du Congo, chargé des questions de sécurité, mais qui ne les arrête pas et qui ne parle même pas d'eux. Donc ça, c'est pour moi, c'était des questions que je me posais l'attitude de quelqu'un qui a la responsabilité de l'État et de la sécurité des Congolais. Et plus tard, il deviendra ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'intégration africaine. Et à propos de la falsification d'identité, dans un ouvrage que vous avez coécrit avec Honoré Mbanda, Stratégie du chaos et du mensonge, il y a un autre personnage qui avait aussi plusieurs lieux de naissance. Il s'agit de celui qui est connu sous le nom de Joseph Kabila. Oui. Vous l'aviez bien développé dans cet ouvrage-là, oui, Stratégie du chaos. Nous, tout ce qu'on a fait, on a pris tout ce qui a été écrit sur lui par ses propres biographes, hein, parce que nous, on n'a pas inventé. Ses propres biographes donnaient des dates, qui étaient des endroits, des lieux de naissance qui étaient différents. Et lui-même aussi, sa filiation posait problème. Si vous lisez même une dame qui n'est pas congolaise, Colette Brackman, qui parle de Joseph dans son livre, ben, elle dit des choses qui ne collent pas, en fait. Il y a un trou dans sa biographie. Et ce n'est pas la seule personne. Moi, je crois, et vous comprenez pourquoi j'ai dit au début de mon intervention qu'il est vraiment essentiel que les autorités congolaises changent l'approche dans la question de la gestion de la crise aujourd'hui, parce que nous avons quand même au sein des institutions des gens au pédigré très bizarres. Charles parle de Rouberoy et tout ça, mais ils sont toujours là. Et je tiens à rappeler qu'ils ont été reçus par Félix Tshisekedi il n'y a pas longtemps, et Félix Tshisekedi leur a assuré une certaine protection de la présidence, parce qu'ils sont présentés comme des Congolais, des gens qui n'ont rien à voir avec le Rwanda, alors qu'on sait très bien que ces gens-là, moi je les appelle les Kagame Boys. Si on prend le cas de Bosco Ntaganda, parce que Kunda n'est pas le seul, dans Stratégie du chaos et du mensonge, nous expliquons comment Bosco Ntaganda va se retrouver à la CPI, nous donnons des détails sur ça. Bosco Ntaganda a été dans l'armée rwandaise avant de se retrouver général dans l'armée congolaise. Grâce à qui ou à cause de qui? De Joseph Kabila en partie. Il a joué, sa partition a toujours été très étrange dans l'infiltration des institutions civiles et militaires congolaises. Donc moi je pense qu'aujourd'hui les autorités qui sont en place doivent aussi prendre leurs responsabilités. On a un livre qui est là, il y a des révélations accablantes, il y a des choses qui donnent froid dans le dos quand on lit le livre de Charles. Et moi je pense aujourd'hui que Félix Tshisekedi et son gouvernement, tous ces gens-là doivent prendre leurs responsabilités face au peuple congolais, aussi face à l'histoire. Et je crois surtout que c'est le genre de bouquin qu'on doit enseigner, parce que bon, là tu as parlé de la France qui veut enseigner le génocide et tout ici. Ben, voilà un livre qu'on peut enseigner aux jeunes Congolais. Parce que ça, c'est un travail que nous ne faisons pas chez nous. Les Congolais ne connaissent pas bien l'histoire de leur pays. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se présentent comme des experts du Congo, mais qui comprennent à peine les subtilités des enjeux géopolitiques auxquels le Congo est confronté aujourd'hui. Je ne veux pas citer des noms, mais on peut les reconnaître très facilement. On a un bouquin, et moi j'invite les autorités
à acheter ce livre massivement et à partager aux Congolais, à commencer par les responsables politiques, nos parlementaires, parce qu'ils ont une responsabilité dans tout ça. On peut parler du livre, mais oui, Charles a fait sa part. Et ce n'est pas la première fois, c'est depuis 2002 que Charles écrit sur le Congo. Je rappelle, ton premier livre, là où tu parlais de la guerre des diamants de Kagame, c'était en 2002. Et ça lui a valu un procès, une poursuite, ici en France, du gouvernement rwandais de Kagame lui-même. C'est quand même important de le dire. Donc, la persécution et tout ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, il est temps, moi je pense, que les Congolais fassent leur part, prennent leurs responsabilités, notamment les autorités congolaises. Parce que si on écrit des livres pour des étrangers, on écrit pour des gens qui aiment nos travaux, mais les Congolais, si les Congolais ne s'approprient pas nos travaux, à quoi bon, au final ? Nous avons notre part de responsabilité en tant que Congolais. Il y a un livre qui est là sur le marché. Bon, bien entendu, on est en rupture de stock, mais le livre va être... Oui, il est alimenté. Voilà, il va être alimenté. Bon, je pense qu'il faut que les autorités investissent aussi dans ce sens-là et qu'elles changent leur approche de la question, de la gestion de la crise actuelle. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette crise si on ne lit pas ce livre. La crise actuelle, on la comprend mieux quand on lit ce livre. Oui, je pense que Patrick a totalement raison. Moi, j'ai été encouragé en entendant dernièrement le président Tshisekedi dire que bon, il faut arrêter de discuter avec le M23, c'est-à-dire que des gens qui massacrent les Congolais. Je pense que cette position est une position politique courageuse. Il faut encourager à aller dans ce sens-là parce que vous ne pouvez pas voir des gens qui vous disent qu'ils sont Congolais, mais qui massacrent les Congolais, qui ne leur ont absolument rien fait. Mais, pendant un bon bout de temps, on a demandé aux Congolais de signer des accords. Aucun des accords qui a été signé pendant de très nombreuses années n'a été respecté. Et vous avez encore récemment la force est-africaine qui vient là. Et vous avez, dans le dispositif de la force est-africaine, bon, des pays qui sont impliqués ou qui sont à l'origine de la déstabilisation du Congo qui viennent participer à ça. Donc je pense qu'en fait, il faut que les Congolais cessent de se faire prendre pour des gens pas sérieux. Moi, je connais beaucoup de Congolais très sérieux. Et il faut aussi qu'on écoute à l'intérieur du pays et à l'extérieur du Congo, du pays, les Congolais qui sont sérieux, qui aiment leur pays et qui ont envie que la dignité et la fierté du peuple congolais soient retrouvées. On n'aurait jamais accepté, le maréchal avait tous ses défauts. J'ai travaillé sur sa chute, j'ai vu la façon dont je raconte la façon dont on a organisé sa chute. Bon, il avait tous les défauts, mais il avait quand même une certaine fierté d'être zaïrois. Et donc, je ne pense pas qu'il aurait laissé ce qui est en train de se passer aujourd'hui se faire, même s'il y a des gens qui disent « oui, c'est parce qu'il n'avait pas fait telle ou telle chose que ça s'est arrivé ». C'est vrai, mais le problème, c'est que aujourd'hui, la dernière position que venait de prendre le président Tshisekedi sur le fait de cesser toute discussion et négociation avec le M23 est une position courageuse. Il faut maintenant pas qu'il ne soit pas le seul à le dire. Il faut que d'autres responsables politiques... aille dans le même sens et soutienne sa position. Ça, c'est aussi là, ça, ce que Patrick Mbeko appelle la responsabilité des hommes politiques. Le président ne peut pas dire une chose et puis il n'y a pas de relais dans l'ensemble de la classe politique. Il faut que chacun assume son rôle et sa responsabilité parce que les Congolais interrogeront leurs dirigeants si effectivement ce pays est détruit. Moi, ma crainte, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est que il ne faut pas que les gens croit que la volonté de détruire le Congo est une petite volonté. C'est une volonté très sérieuse, c'est un plan très sérieux, et ceux qui ont envie de détruire le Congo sont assez déterminés. Donc il faut que aujourd'hui en face, les Congolais aussi soient suffisamment déterminés pour défendre la souveraineté nationale et défendre la dignité du peuple congolais. Charles Onana, préface de Charles Mignon, ancien ministre de la Défense français. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice, aux éditions L'Artilleur, ça fait à peu près 500 pages, il y a des photos, il y a des cartes, il y a des documents secrets, c'est extrêmement documenté et c'est écrit, c'est vraiment un beau style hein, d'écriture, facile à lire, mais profond et précis. Charles Onana nous a servi du Charles Onana. Que l'on connaît. C'est un livre qui fait beaucoup de bruit, un livre qui dérange,
et qui va peut-être faire mal à ceux qui ont ourdi ces plans machiavéliques de la destruction de la République démocratique du Congo. C'était Échange, une émission présentée par Kerwin Maïzo, réalisée par Constant Efuanga Essoué au studio EPV TV, ouvrage que vous pouvez retrouver chez tous les libraires qui se respectent. Il y a une rupture de stock qui a duré 48 heures. D'ici 48 heures, les rayons seront à nouveau bien achalandés. Achetez cet ouvrage et parlez-en autour de vous. C'est une arme de combat pour libérer la République démocratique du Congo de l'étau dont elle est victime de la part des Anglo-Saxons. Merci à Patrick Mbeko de nous avoir accompagnés dans cette émission. Lui qui connaît très bien Charles Onana, lui qui a été un des premiers à avoir lu cet ouvrage. Et merci à Charles Onana d'avoir consacré son temps pour s'adresser aux Congolais qui l'ont adopté. Ingeta. Et moi, je me dis, le jour où le Congo sera libéré, n'allez pas chercher loin. Vous l'amenez chez les tétés, là, parce que là, la plupart des noms commencent par O. Et lui, comme c'est un O, donc ça sera un OTT, là, Onana. Ceci dit, on a parlé d'un sujet grave, mais on termine avec les sourires, parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Au revoir.